c'est quand même un marqueur des inégalités sociales. Tout dépend des quartiers. Il y a des quartiers où la santé dentaire va bien, d'autres où ça va un peu moins bien. Mais nous avons fait une enquête épidémiologique avec la faculté dentaire il y a quelques années. Et puis, il en était ressorti que les petits Strasbourgeois ont une santé dentaire équivalente aux enfants de la ville de Zurich en Suisse. C'est plutôt bon signe. Ce qui est plutôt bon signe, oui. C'est pas trop exigu comme endroit ? Non, pas du tout. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans un bus. Donc on fait pour tout le monde, mais un peu plus là où il y a le plus besoin. 24 000 enfants sont vus chaque année en dépistage. Près de 800 sont vus en soins. La bouche, elle a bien retombé.